C'est un spectacle avec beaucoup d'intensité. C'est un spectacle avec beaucoup d'émotion. C'est un spectacle qui raconte une histoire vraie, qui raconte une histoire incroyable, qui raconte un destin complètement fou. Je suis très attaché au fait de raconter des histoires vraies et des destins. Ça avait commencé il y a une dizaine d'années avec le journal d'Anne Frank. Après, il y a eu la vie d'Einstein. Après, il y a eu Stefan Zweig. Après, il y a eu Vladimir Horowitz pour mélanger la musique au théâtre. Dernièrement, il y a eu Fleur de Soleil avec Thierry Lhermitte. Wish Been Charlotte avec Thierry Lopez. Et depuis 2-3 ans, je m'enrichis de documents, de photos, de témoignages familiaux d'un personnage qui s'appelle Alfred Nakache et qui a été un nageur et qui a eu une vie incroyable, puisque c'est un jeune garçon qui est né à Constantine et quelques années avant la guerre, et c'est un destin qui partait plutôt mal. C'est un garçon qui venait d'une famille de 11 enfants, un milieu plutôt modeste, qui avait la démarche de Charlie Chaplin, Bury a Mormon son Labrador, et qui avait peur de l'eau. Et son papa, un jour, l'a jeté à l'eau à 9 ans pour le mettre à l'épreuve. Et ce jeune garçon s'est dit qu'il allait montrer à sa famille et aux siens qu'il serait capable d'être sélectionné. Et donc, il a fait avec les enfants au bord des piscines de toute la France ce que son père a fait avec lui. Il les a jetés à l'eau, il leur a appris le goût de l'effort, le dépassement de soi, la volonté. Et toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui d'abord me bouleversent, me touchent, et qui ont fait que je me suis dit que ce serait un sublime spectacle de théâtre, qui donnerait envie aux gens qui aiment le théâtre, tout comme aux gens qui ont des a priori ou qui n'ont pas l'habitude d'y aller. D'aller au théâtre, et que ce serait un spectacle et digne et populaire, dans le bon sens du terme. J'étais convaincu qu'il serait un formidable Alfred Nakache, et j'étais convaincu qu'il aurait envie de le défendre et de le porter et de le vivre. Donc j'ai envoyé le texte à Amir, on s'est rencontrés et on va dire à l'ancienne, on s'est tapé dans la main. Je mets pas la case chanteur dans la case chanteur, la case acteur de cinéma dans la case acteur de cinéma et la case comédien dans la case théâtre. Et physiquement, il se ressent. Et mentalement, beaucoup. Et au niveau de l'endurance aussi, beaucoup. C'est deux grands travailleurs, deux sportifs. Deux garçons qui ont envie d'être les héros de leur famille, ce qui est pas rien. Et deux garçons ambitieux, avec des vraies valeurs, avec une éthique. Et en ça, je me suis dit que le challenge, et artistique, et humain, serait très intéressant. Peut-être qu'on le filmera après en captation théâtrale, peut-être qu'on en fera autre chose, mais le plus rapide et le plus instinctif était de me dire, faut le faire vivre. Il y a trop de gens qui connaissent pas cet homme, et je trouve que dans la période dans laquelle on vit, de rencontrer un homme aussi ordinaire, qui a eu une vie aussi extraordinaire, en étant un homme droit, honnête, respectueux, résilient, volontaire, courageux, j'avais envie que ça aille vite. Et aujourd'hui, de faire une mini-série ou de faire un film d'époque, ça prendrait 5, 6, 7 ans. Et je sais pas, j'ai eu une envie, comme un besoin, qui revienne tout de suite dans nos mémoires, pour ceux qui l'avaient un peu oublié, ou qui revienne tout de suite dans l'inconscient collectif des gens, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont la plupart. Je crois que j'ai eu besoin de ça pour oser.
osé faire ça parce que mon destin, comme celui d'Alfred Nakache, partait pas terrible. Et que ce métier-là était inaccessible au départ pour moi. Et donc, forcément, je trouve que ce qu'il y a de formidable dans l'idée d'être sur scène ou de fabriquer avec sincérité des spectacles ou des films ou des émissions comme on fait tous les dimanches matins avec À l'origine ou d'être à l'initiative d'écoles de théâtre, tout ça va dans le même sens. C'est l'idée de partager, c'est l'idée de transmettre, c'est l'idée d'aller dans un même sens, c'est l'idée d'aller vers le bien, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de s'enrichir, de nourrir les âmes, de montrer ses défauts qui peuvent devenir des qualités. C'est aussi ça d'être un acteur, de pas jouer, contrairement à ce qu'on croit, mais de ressentir, d'oser faire sur scène ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, c'est-à-dire être soi, avoir le courage d'être soi. Voilà, c'est tout ça la culture. Et que souvent, quand on n'est pas cultivé ou quand on vient de milieux où on n'a pas été éduqué avec la culture, on peut penser que le théâtre, ça va être quelque chose de chiant, d'intellectuel, de protocolaire. Pas du tout, ouais. Donc voilà, ce genre de spectacle qui mélange la culture et le sport, qui mélange une histoire vraie, qui mélange le challenge d'un artiste de devenir un comédien de théâtre, tout ça, j'espère que ça va faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre et ça va faire venir des gens qui aiment le théâtre et qui vont le voir sous une forme différente. La seule chose que j'adore et qui passe avant tout, c'est l'histoire. Voilà, pourquoi je produis, pourquoi je mets en scène, pourquoi je développe avec un auteur, pourquoi je réalise, pourquoi je peux jouer, c'est qu'est-ce que ça raconte? Ça prend quel sens? Ça donne quoi? C'est-à-dire que je me positionne tout le temps comme un spectateur. Et moi, je me dis que si j'avais pas eu la chance de tomber sur le destin d'Alfred Nakache, j'aurais adoré aller voir un spectacle où tout d'un coup, j'aurais rencontré un destin. Et j'aurais rencontré un homme qui me montre que même avec une enfance difficile, remplie de complexes, dans une époque super difficile, eh ben on peut arriver à faire de sa vie un truc incroyable. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme quand on regarde Pretty Woman et que tout d'un coup, même 30 ans après, on se dit, bah, ça donne envie d'être amoureux, quoi. Quand on regarde ce film, et pourtant, à la base, c'est bateau. Il y a un homme d'affaires qui tombe amoureux d'une prostituée. Donc à la base, quand on nous dit ça en deux lignes, on se dit, ouais, pouvoir. Eh ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ressort de là et on se dit, faut y aller. Faut y aller. Faut prendre ses rêves d'enfant et faut tout faire pour essayer. Et faut pas avoir de remords et de regrets. Faut y aller. On verra. On tombe, on tombe. On tombe pas, on tombe pas. Vous savez, un lion, quand il sort de sa tanière, 8 fois sur 10, il chasse pas. La seule chose qui fait que c'est un lion et qu'on le respecte, c'est qu'il a jamais tombé. Quand je savais pas si j'allais réussir à faire ce métier, je me raccrochais aux biographies. Je lisais la biographie de Frank Capra, Hollywood Story, la biographie de Kirk Douglas, qui s'appelait Le fils du chiffonnier. Je lisais toutes les biographies que je pouvais lire de Stallone, et je me disais, Ventura, Gabin, ils y sont arrivés hyper tard, et ils ont eu des années de chômage avant 40 ans, personne n'a voulu d'eux. Ça me donnait du courage, ça me donnait de l'espoir. Et au cinéma, par exemple, depuis des années, les biopics, tous les biopics qu'on a faits sont des films qui marchent vachement bien parce qu'on peut s'identifier. Il y a l'identification, il y a se mettre à la place de l'autre. Et je pense qu'aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Et je pense que la seule chose dont n'importe quel être humain a besoin pour réussir, et sa vie, et dans la vie, c'est aimer. Tout le reste, ça passe.